grande voix française, la grande voix de Philippe Henriot s'est tue à jamais. Devant le ministère de l'Information, la foule s'est massée. Nombreux sont les Parisiens qui ont voulu voir une dernière fois celui qu'ils entendaient chaque jour sans le connaître et qui est mort ici, à son poste, lâchement assassiné sous les yeux de sa femme. Place de l'Hôtel de Ville, le lendemain. Devant le catafalque, où a été placé le corps du ministre, durant tout l'après-midi, la foule lentement défile à nouveau. Foule innombrable, foule anonyme, où se mêlent toutes les classes. Ils sont venus, ceux que sa parole avait su convaincre, aussi bien que ses adversaires d'hier, qui avaient senti que chaque accent, chaque parole de Philippe Henriot était dictée par le plus sincère amour de la France. Ils ont réalisé toute l'horreur d'un crime sur lequel pèsera le jugement de l'histoire. 21h, en présence de Madame Philippe Henriot, de ses enfants et des membres du gouvernement, a lieu la levée du corps. Minute poignante. Le cercueil est porté à bras jusqu'à Notre-Dame de Paris. Il fait presque nuit lorsque le cortège arrive sur le parvis. Toute la nuit, une garde d'honneur veillera sur le corps du tribun assassiné. Le lendemain vont se dérouler les obsèques nationales. Une foule silencieuse a envahi la place. Voici M. Pierre Laval, accueilli par M. Debrinon et les membres du gouvernement. Les représentants des autorités d'occupation. Le général Brécard, représentant le maréchal Pétain. La messe des morts commence. La communion de tous, dans le souvenir de celui qui est mort au service de la France et qui est regretté de l'Europe entière. Philippe Henriot n'est plus, mais sa foi demeure vivante en nous. Ses paroles retentissent à jamais dans nos cœurs, et par-delà l'écho des chants sacrés et des grandes orgues, il semble que nous entendions encore sa voix ardente. Injuriez donc, couvrez-moi de ce que vous appelez vos outrages. Je ne répondrai plus. S'il y a du sang entre nous, c'est vous qui l'avez versé. On ne discute ni avec les diffamateurs, ni avec les meurtriers. Je vous ai fait trop d'honneur. Je ne peux pas vous haïr, puisque je ne haïrai qu'un nom que vous avez sans doute volé. Mais je vous méprise trop pour avoir encore quelque chose à vous dire.